Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club. Ici Alexander aux manettes, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Nous allons jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, et le mercredi, c'est jour de partie de joker sans sélection de vocabulaire, donc vocabulaire complet. Il peut y avoir des mots faciles, des mots pas faciles, voilà, c'est le hasard qu'on aura décidé. Je rappelle le principe de la partie de joker. On a un joker à chaque coup. Dans le top, le joker remplace une lettre en particulier. On va poser sur la grille la solution en allant chercher la vraie lettre dans le reliquat. On la pose sur la grille et on récupère le joker. Voilà, on procède comme ça. On garde le joker, on tire 6 nouvelles lettres pour compléter le tirage. On procède ainsi jusqu'à ce qu'on puisse plus le faire, c'est-à-dire quand la lettre en question remplacé par le joker n'est plus disponible dans le reliquat, auquel cas on laisse le joker comme d'habitude, comme en partie standard, sur la grille. Et on prend la deuxième lettre blanche et jusqu'à ce qu'on puisse plus s'en servir. Voilà, de la même façon. Voilà, je vous ai tout dit. À la fin de la partie, le traditionnel décodage. On repasse la partie en revue pour voir les isotopes et les sous-topes de chaque coup, les définitions des mots peu courants, et puis les potentialités des tirages avec quelques petites astuces, quelques petits zooms sur du vocabulaire à retenir, essentiellement issu de la partie, bien évidemment. Voilà, cette fois je vous ai tout lu. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, hein. Message traditionnel. Si vous aimez le scrap duplicate, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en à vos proches pour venir vous entraîner ici. C'est le meilleur moyen pour s'entraîner en conditions quasi réelles, hein, puisque vous avez le chrono, vous avez les annonces à la sauce officielle, entre guillemets. Voilà. C'est pas pareil que de jouer sur PC avec un logiciel où on peut aller plus ou moins vite d'un coup à l'autre, etc. On n'est pas dans les mêmes conditions, donc c'est l'endroit idéal pour s'entraîner quand on fait ou quand on a envie d'aller faire des tournois ou de jouer en club de façon de façon un peu sérieuse, entre guillemets. Voilà, même si on est bien évidemment là pour s'amuser, ça n'est qu'un jeu. Et donc, on va démarrer cette partie joker à vocabulaire complet. Je vais vider le chevalet en bas. Et vous n'avez aucune lettre devant vous. Prenez le premier joker, lettre blanche, forcément. Uruguay, U. Canada, C. Roumanie, R. Uruguay, U, c'est le deuxième. Venezuela, V. Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Uruguay deux fois, Canada, Roumanie, Venezuela et Égypte. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 78 points. Le joker est remplacé par un S de Suisse horizontalement en H7. Nous posons survécu. S de Suisse qui remplace le joker, le U, le premier U sur la case centrale, R, V, E, C, U, survécu, S, U, R, V, E, C, U, en H7, ça rapporte 78 points. Aucune lettre au reliquat, si ce n'est la première lettre blanche. Que nous accompagnions de Suisse S. Italie I. Roumanie R. Luxembourg L, Égypte E et Danemark D. Vous jouez avec Joker, Suisse, Italie, Roumanie, Luxembourg, Égypte et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Sur ce coup, le top s'élève à 85 points. Faites très attention à la solution choisie. Nous allons jouer verticalement en 14 H de façon à mettre un S au bout de survécu. Le joker est un A d'Algérie. Nous descendons sidéral. S qui vient au bout de survécu. I, D, E, R. Le joker remplacé par un A d'Algérie et L. Sidéral 14H, ça fait 85 points. Au reliquat, aucune lettre. On récupère le premier joker. Et voici Tunisie T, Norvège N, Algérie A, Égypte E, Luxembourg L, Portugal P. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Norvège, Algérie, Égypte, Luxembourg et Portugal. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 86 points. Vous ferez très attention à la solution choisie. Le joker est remplacé par un I d'Italie, verticalement en 11 E.
en appui sur le E de survécu. Et attention à la place, c'est sur les deux cases roses. Nous descendons Pateline. P-A-T-E de survécu. L, le joker remplacé par un I d'Italie. N-E. Pateline. 11-E. Ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat. Voici le premier joker, toujours disponible. Luxembourg, L. Égypte, E. Algérie, A. Belgique, B. Italie, I. Et Suisse, S. Vous jouez avec Joker, Luxembourg, Égypte, Algérie, Belgique, Italie et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup est de 92 points. Attention encore une fois à la solution choisie. Le joker va être remplacé par un C de Canada, horizontalement en O8 pour mettre un S au bout, un E pardon, je recommence. En O8 horizontalement pour mettre un E au bout de sidéral, nous posons Sciable. S, C de Canada pour remplacer le joker. I, A, B, L et le E qui transforme sidéral en sidéral le.
sciable O8. Ça fait 92 points. Au reliquat, aucune lettre. On récupère la première lettre blanche. Et puis Norvège N. Égypte E. Norvège N deuxième. Venezuela V. Maroc M. Algérie A. Vous jouez avec Joker, Norvège deux fois, Égypte, Venezuela, Maroc et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 63 points. Faites très attention à la place verticalement. En 7A, pour terminer sur le S initial de survécu, nous descendons le Joker. Et remplacé par un A d'Algérie, Vanam, V-A-N-N, Joker remplacé par un A d'Algérie, M-E et le S de survécu. Vanam, V-A-2-N-A-M-E-S, verticalement en 7A, ça fait 63 points.
Aucune lettre au reliquat, de nouveau, après ce Scrabble. Voici le premier joker, toujours présent. Océanie, O. Tunisie, T. Norvège, N. Italie, I. Kenya, K. Kenya. Égypte, E. Vous jouez avec Joker, Océanie, Tunisie, Norvège, Italie, Kenya et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 81 points. Le joker est remplacé par un L de Luxembourg, horizontalement en A4. On appuie sur le V de Vanham, nous posons Kelvin. K-E, L de Luxembourg qui remplace le joker. V. N. Kelvin, K-E-L-V-I-N en A4, ça rapporte 81 points. Un reliquat de deux lettres, Océanie et Tunisie, que vous allez rejeter. Vous rejetez donc le O et le T. Il
Et on ajoute, enfin on n'ajoute pas, on prend le joker, toujours là, le premier. Italie, I. Suisse, S. Xénophon, X. Égypte, E. Tunisie, T. Et Belgique, B. Vous jouez avec joker, Italie, Suisse, Xénophon, Égypte, Tunisie et Belgique. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 127 points. Vous ferez attention à la place du mot joué. Le joker est remplacé par un A d'Algérie, verticalement en 13B. On appuie sur le deuxième U de survécu, nous descendons Bestio, B-E-S-T-I, le joker remplacé par un A d'Algérie, le U de survécu, le deuxième, et le X, n'oubliez pas le X bien évidemment, qui fait XI avec le I de sidéral. Bestio, B-E-S-T-I-A-U-X en 13B, ça fait 127 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat, à part le premier joker.
Et puis on ajoute Algérie A, France F, Uruguay U, Zambie Z, Danemark D, Algérie A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Joker, Algérie deux fois, France, Uruguay, Zambie et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 70 points. Le joker est remplacé par un M de Maroc, horizontalement en B10, en appui sur le B de Bestio. Nous posons Zumba. Z, U, Joker remplacé par un M de Maroc, le B de Bestio et A. Zumba, Z, U, M, B, A en B10, ça fait 70 points. Trois lettres au reliquat, Algérie, Danemark et France. On ajoute. Enfin, on récupère le premier joker et on ajoute Uruguay U. Danemark D, c'est le deuxième.
et France F, c'est également le deuxième. Vous jouez avec Algérie, Danemark deux fois, France deux fois, Joker et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 40 points. Le joker est remplacé par un O d'Océanie verticalement. En 4A, en partant du K de Kelvin, nous descendons Koufa. K, le O d'Océanie qui remplace le joker, U, F, F, A. Koufa, K-O-U-F-F-A en 4A, ça vaut 40 points. Reliquat de deux lettres, Danemark deux fois. On récupère la première lettre blanche. Et puis on prend Océanie O. Algérie A. Roumanie R. Égypte E. Vous jouez avec Danemark deux fois, Joker, Océanie, Algérie, Roumanie et Égypte. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 72 points. Attention à la solution choisie. Le joker va être remplacé par un N de Norvège. Horizontalement en N2. Pour terminer au-dessus du S de Siable, nous posons rondade. R, O, N de Norvège qui remplace le joker. D, A, D, E. Le E formant E, E, S avec le S de Siable. Rondade, N2, ça fait 72 points. Au reliquat, aucune lettre. La première lettre blanche est toujours là. Et voici Océanie O. Uruguay U. Tunisie T. Québec Q. Québec. Grèce G. Luxembourg L. Vous jouez avec Joker, Océanie, Uruguay, Tunisie, Québec, Grèce et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 53 points. Le joker va rester sur la grille pour remplacer un A d'Algérie verticalement en 10 J en collant à gauche des trois dernières lettres de Pateline. Nous descendons 4 Q A, donc le joker qui reste sur la grille pour remplacer un A d'Algérie. Et le T au passage pour mon qui en et te avec les lettres de Pateline. 4 QAT en 10 J. Ça vaut 53 points. Un reliquat, pardon, de 4 lettres. Grèce, Luxembourg, Océanie, Uruguay. On prend le deuxième joker, lettre blanche. Hongrie H et Égypte E. Vous jouez avec Grèce, Luxembourg, Océanie, Uruguay, joker, Hongrie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 72 points. Le joker est remplacé par un I d'Italie, horizontalement en K4. En double appui sur AN déjà en place, nous posons Hooligan. H, O, U, L, I d'Italie remplaçant le joker, G,
AN déjà sur la grille et n'oubliez pas le E final. Hooligane en K4, H-O-U-L-I-G-A-N-E, ça fait 72 points. Aucune lettre au reliquat. Voici la deuxième lettre blanche. Tunisie T. Égypte E. Maroc M. Italie I. Hongrie H. Océanie O. Vous jouez avec Joker, Tunisie, Égypte, Maroc, Italie, Hongrie et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 56 points. Verticalement en 15A. Le joker est remplacé par un S de Suisse qui va venir au bout de Zumba. Nous descendons ISM. I, S de Suisse remplaçant le joker et mettant Zumba au pluriel. T, H, M, E. ISM, ISTHME en 15A, ça fait 56 points.
au reliquat une lettre, Océanie. On reprend le deuxième joker, et puis Tunisie T, Égypte E, Wallonie W, Italie I, Roumanie R. Vous jouez avec Océanie, joker, Tunisie, Égypte, Wallonie, Italie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 68 points. Horizontalement en J5, le joker est remplacé par un N de Norvège. Nous jouons en collant au-dessus de Hooligan en posant Twin, T-W-I. Et le N de Norvège qui remplace le joker. Verticalement, on forme To, T-O, Wu, W-U, Il, I-L et Ni, N-I avec les lettres de Hooligan. Twin, T-W-I-N en J5, ça fait 68 points. Un reliquat de trois lettres, Égypte, Océanie, Roumanie, que vous allez rejeter. Vous rejetez donc le E, le O et le R. Et nous repartons avec le deuxième joker, lettre blanche. Égypte, E. Suisse, S. Égypte, E, deux fois, ce qui en fait trois.
Jordanie J et Uruguay U. Vous jouez avec Joker, Égypte 3 fois, Suisse, Jordanie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 58 points pour lequel le joker n'est pas requis. Verticalement en 15 L en collant à droite de sidéral et pour mettre un S au bout de sciable. Nous descendons U. E, U, E, S. Horizontalement, on forme Ré, O, Le et Sciable au pluriel. U, E, U, E, S en 15 L, ça rapporte 58. Reliquat de trois lettres, Égypte, Jordanie et le deuxième joker. Nous ajoutons Yougoslavie Y, Grèce G, Roumanie R deux fois. Vous jouez avec Égypte, Jordanie, joker, Yougoslavie, Grèce et Roumanie deux fois. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 48 points. Le deuxième joker va rester sur la grille cette fois-ci. Également pour remplacer un U d'Uruguay horizontalement en L1. Pour terminer sous le H de hooligan, nous posons juge. J, joker U d'Uruguay, G, E. Le E forme E, H-E, avec le H de hooligan. Juge, J-U-G-E en L1, ça fait 48 points. Trois lettres reliquats, Roumanie deux fois, Yougoslavie. On ajoute Égypte E. Océanie O deux fois. Roumanie R, c'est le troisième. Vous jouez avec Roumanie trois fois, Yougoslavie, Égypte et Océanie deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
pas plus de 33 points. Horizontalement en F1, pour terminer sur le A de Koufa, nous posons ERA. E-Y-R-A. ERA, E-Y-R-A en F1, ça fait 33 points. Un reliquat de 4 lettres, Océanie 2 fois et Roumanie 2 fois. On ajoute Portugal P, Égypte E et Tunisie T. Vous jouez avec Océanie 2 fois, Roumanie 2 fois, Portugal, Égypte et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Ce sera le dernier coup de cette partie Joker, donc pour un maximum de 33 points verticalement en 1D. On appuie sur le E de ERA, nous descendons prêtre, P,
Prêtre. C'est en 1D, prêtre. Prêtre. Ça fait 33 points. Et c'est le dernier coup, le 18e et dernier coup de cette partie de Joker, qui affiche un top cumulé de 1215 points. Qui me paraît assez... Il y a 2-3 coups bien costauds quand même. Et on va décoder ça tout de suite. Allez, on y va. Allez, je vous rappelle le principe du décodage sur Duplicate Club. On passe en revue les coups de la partie pour voir les principaux, les isotopes et les principaux sous-tops. On voit également les définitions des mots peu courants dans le deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, on verra les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues pendant la partie ni durant le premier temps du décodage. Et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent. La première, c'est une sélection de quelques mots issus de la partie à retenir. Parfois une variante quand il y en a. Par exemple, hooligan, on l'a joué H-O-U-L-I-G-A-N-E. C'est un adjectif, donc on peut enlever le E, c'est la version féminine. Et on peut l'écrire également avec deux O, H-2-O-L-I-G-A-N et H-2-O-L-I-G-A-N-E. Vous voyez par exemple également Koufa qu'on a écrit avec un K, on peut aussi l'écrire avec un C. On verra les définitions tout à l'heure. Là, c'est juste la liste des quelques mots. Le verbe azurer, dont le participe passé est variable. La zumba, la rondade, le laridé, L-A-R-I-D-E, et pateliner qui est un verbe. Alpé également, un verbe, c'est un sous-top, participe passé invariable. Kelvin non masculin, etc. Et puis, en dessous, eh bien, ça dépend de mon humeur. C'est une petite, soit un tirage, soit une astuce, soit une famille de mots, soit une règle d'orthographe. Ou voilà. Enfin, là, comme on a joué à un moment, il y avait Azur en sous-top, il me semble. Oui. Je suis allé regarder un peu ce qui contenait les lettres de Azur pour voir les mots de la famille. Donc, il y a quelques mots de la famille Azur. Le verbe azurer, azurite non féminin, l'azurite qui ressemble. Donc il y a la famille d'azur, je vais vous les redire après. Vous voyez, ça défile. Il y a mazurka, azulero, bah, par contre, c'est avec un L, hein, azul. Il y en a trois avec le azul, donc je vous les ai mis. Azulène non masculin et l'azulite non féminin, qui ressemble à l'azurite. Donc on a azur, azur, azurage non masculin, azurant, azurante, adjectif, azuréen, azuréenne, adjectif. Et puis les autres, je vous les ai dit. Donc il y a azurite, on peut mettre un L devant, l'azurite, et l'azurite ressemble à l'azulite. Voilà. Ça tenait sur une ligne, donc je vous ai mis tout ça. Voilà. Allez, on y va pour le décodage de cette partie. Donc au premier coup... J'espère que vous ne vous êtes pas laissé tenter par un fautif cuveur ou cuvure et que survécu vous est apparu, parce que cuveur, cuvure, c'était 0 et survécu, c'était le top à 78. Et c'était le seul scrap possible sur ce coup, sous top, couvé, couvre, cuivre, cuveau, cuvé à 26. Le coup d'après... Alors, on avait trois solutions à 85 avec le dé qui triple, le mot qui double et le survécu prolongé d'un S. Avec l'aridé, yard et on a retenu sidéral pour la rallonge E, bien évidemment. On pouvait également quadrupler avec pas mal de solutions en 11D, délidera, élidera, ridel, sidérale, solderie, ça faisait 82. Et puis en 14B, si on ne triple pas le D, on a 81 points avec délira, délire, dri, ridule, etc., etc. Pas mal de scrabble sec avec ce tirage. Lourdise sur le U. Voilà, il y en a beaucoup. Résiduel.
beaucoup de solutions pour scrabbler. Ici, c'est pareil, d'autant plus qu'on a deux places bien intéressantes. Là, le E au bout de sidéral pour tripler et le quadruple. Donc, si on cherche un peu, on compte en théorie les scores. Voilà, pentelée, pelante, planète, plantée, tout ça, ça fait 85. Est-ce qu'on n'arrive pas à placer le P sur la case bleue? Sinon, ça ferait plus. Et donc, en. Ah oui, si, on a quand même 85 en O8, en doublant une lettre à un point. Pelante ou plainte. Oui, enfin, en fait, il y a tout ça qui fait 86. Donc, égalé par les quadruples en 11D, 11E. Planète, planéité. Pentel, pentelé, paternel, alpère, capel, lapement, lapère. Voilà, et on a retenu pateline, parce que c'est un verbe. Allez, le coup suivant, encore une fois, beaucoup de possibilités de marquer beaucoup de points, et de scrabler surtout. Donc avec le B qui double, le E au bout de sidéral, voilà, c'est la solution, le top théorique. Et donc, en cherchant avec le reste, on a diable, disable, faible et fiable, niable, skiable, viable. On a retenu sciable, SCIABLE. Un joli balisera qui fait 87 en mettant S à pateline et en doublant. On appuie sur le A de sidéral. D'autres solutions, abélie, abolie, albite, astilbe, bail, A86. Voilà, énormément de solutions en bas, 86 là. Ou 85, etc. Bisaïeul, magnifique. Ça fait que 75. Basileus, magnifique également. Mais ça fait que 75 aussi. Allez, un tirage un petit peu moins riche cette fois-ci. Un seul mot possible en l'espèce, en l'état de la partie. On est envenima sur un envenima sur un E ou un I. Ça passe pas. Donc on a que Vaname qui passe en F7 et en 7A pour 63. Seul Scrabble possible sur ce coup. Sous top Anne, ANES en 15L qui fait 52 en faisant tripler sciable au pluriel. Le coup suivant. Il doit y avoir des. Il y a côté AINT sur un. Ah bah ça passe en fait en Scrabble. J'étais en train de chercher les Scrabbles en appui. À côté AUNT et bah côté passe. Mais il fait que 70. On a un top sans Scrabble avec 81 points. Le K qui double, le mot qui triple, on a le V en plus. Ça fait un gros score, 81 points. Sous top K-on avec le K en pivot sur la case bleue foncée à 68. IF également. Ils feront encore un Scrabble à Laïkeron également. L-I-K qui passe pas. 68. Quand Koi au pluriel 68 aussi. Laïkeron aussi, ça passe. Qu'est-ce que je raconte? Et Skieuron également. Bon, beaucoup de solutions à 68. Hein. Également Troïka. C'est une toute autre configuration de ce qu'on vient de voir défiler. Le K qui triple, le mot qui double en B2. Et non en 3K comme son nom pourrait l'indiquer. Ah, ça faisait 68 également. Voilà. Alors, le coup d'après, bestiaux, bauxite. Eh bien, bestiaux, ça passe. Ça fait un beau score avec le X qui double dans le mot double plus dans Xi. Voilà, 127 points. Bisexte en L4, ça fait 88. Bestiaux passait également en E2 pour 86. Comme son anagramme extubé, boiteux, qui scrable pas, mais qui fait quand même 77 points entre SC, biseau et taiseux, même place, rapporte respectivement 75 et 73 points. Le coup d'après, alors là, ça scrable pas, mais on a un score de scrable avec 70. Zumba, le Z qui triple, le mot qui double, ça paye. Moins 24 pour le sous-top avec Azura.
Fateliné EZ et le mot double. Fadé en L8, le F qui double, le mot qui double, 44, tout comme usé en D12, Z double, mot double. Le coup d'après, on va jouer à partir du K de Kelvin, il faut connaître, hein, coup Fa à 40, sinon il y a Kifa à 38. 38, c'est également le score de deux solutions d'assurance en 15N, As et Us, qui font tripler Siable au pluriel. Également un joli off au 2F en N9 avec le F en pivot sur une case bleue foncée à 37. Le coup d'après, les 2D, le O, le R, des bordas, des cordas également, et rondades, des doras, des rodas et dorades, même place, non pas même place du tout, rien à voir, pardon. Ça vient prolonger, mettre un S joker au bout de pateline, ça fait 71. Sachant que dorade peut aussi faire pateline et E. Des dorages en L4 faisait 70. Rondade passe également en M5 pour 70 aussi. Des dorans, des radons, des robades, etc. etc. Malgré les 2D, il y a pas mal de scraps possibles. Hein. Des mordras, des roderas, des tordras. Voilà, voilà. Alors ici, on verra les appuis tout à l'heure. Ce tirage ne m'inspire pas grand-chose, logiquement, sur beaucoup de lettres. Mais à part ça, on verra tout à l'heure. 4 QAT pour le top à 53. Même place qui à 50. Et qui est QIET, QQI double, mot qui double à 38. C'est également le score de US qui met un siable au pluriel qui fait tripler. Alors ici, Hugolien sur un I ou un N, ça passe pas, et on a un magnifique double appui avec Hooligan, très très difficile, si vous l'avez trouvé, je vous tire mon chapeau, même si je n'en ai pas. Et ES et US, US, encore des sous-tops d'assurance des coups précédents qui sont toujours jouables pour 38 points. Coeul en M1 faisait 35. Superbe collante. Allez, le tirage suivant, le coup suivant. Alors, on a Tomise sur un S. Pas de place pour scrabler. Ism. Ça, c'est un coup très difficile aussi. La construction du mot, même si on le connaît un peu, hein, qui ressemble à les cousins de, le mot est cousin de asthme, mais pas facile à. Il faut y penser. Le H qui double, le Zumba au pluriel et le mot qui triple, ça fait des points, 56. Et ça gagne donc 18 points sur le sous-top traditionnel de cette partie, à partir du moment où on a joué Siable. ES à 38, Home HOMES en L1, ça faisait 35, tout comme OSMI en 15A. Le coup d'après, ou Rottweiler sur plusieurs lettres, mais un superbe Twin à 68, le W qui triple dans les deux sens, ça fait un gros score. Sous top et ES de nouveau. Un magnifique double appui, mais pour 38 points seulement avec software. Et on a Sweat en M11 et Westing en G2 qui valent 36. Alors, pas de place pour scrabler sur ce coup, sur jeté, sur un R ou un T, on verra jeteuse sec. Ça, tout ça, ça passe pas. Le top, c'est une collante pour aller être siable au pluriel et le faire tripler, 58 points avec UEUES. Et puis à partir du moment où vous jouez autre chose que ça, et ben vous perdez quelques points puisque il faut un joker, une use, etc. Et en L1, jaise, jeter, jouer, tout ça, ça fait 51 points. Jubé, juge, etc. etc. Le coup d'après, on n'arrive pas à placer Jersey ou Jury, JY,
Eh bien, on a quand même 48 points avec le J qui double et le mot qui double avec juge. 46 avec jure. Même place, gire, G-Y-R-E au pluriel avec un S donc en L1 toujours 44. Sans le S, 42. Et puis on a E à Y en 5E qui fait 39. Tout comme juré en O1. Le coup suivant. 3 R, 2 O. Oh. Allez, le Y sur les cases bleues foncées. ERA en F1 pour le top. Petite collante avec O, O, Y, E. Le Y en pivot, même si c'est sur une case blanche, ça fait des points. 30 points. Goy en 9K faisait 26. Allez, et puis voilà, le dernier coup. Pas de Scrabble. Il passe. Prêtre, on a joué prêtre, on pouvait jouer prêté, c'était pareil. Poète et prêtre faisaient moins 3 à la même place. Voilà. Donc on a terminé le passage en revue des coups pour voir les isotopes et les sous-topes. On va passer maintenant aux définitions des mots courants. Donc elles s'affichent à gauche là dans le rectangle vert. Je les fais défiler, je vous en donne lecture. Elles ne sont pas nécessairement dans l'ordre d'apparition dans la partie que je prépare. Et puis après, de temps en temps, je vois d'autres idées, je les intègre. Je les ajoute en bout de course, en fait. Et puis, ce n'est pas exhaustif, bien évidemment. Sinon, entre les sous-tops, les dérivés, les mots qu'il y a dans les sous-tops, etc., on ne s'en sortirait pas. Si vous voulez même après approfondir et puis pour satisfaire votre curiosité, eh bien vous allez sur le site que j'utilise ici, m.crds.fr, du comité Dauphiné Savoie. Alors, survivre, je vous l'ai mis, bien sûr, la définition est évidente, mais justement, quand on parle de survivre, on n'a pas trop l'idée de la transitivité directe qui fait que le participe passé est variable. En général, on dit « je survis tout court ». Quoi. Et en fait, on peut survivre quelqu'un, ça veut dire demeurer en vie après cette personne. Et donc, dans cette acception-là, le verbe est transitif direct. Donc, on peut avoir survécu « ue ». C'est important à savoir. Là, le survécu « us », ça peut se confondre avec le passé simple « tu survécu ». Alors, l'aridée, nom masculin, oiseau type goéland ou mouette. Pateliner signifie agir de façon hypocrite et amadouée. Alpé en Suisse, monter le bétail aux alpages. Et mais je me suis trompé alors dans ma liste en bas. Je vous l'ai mis en participe passé invariable, l'alpé, je crois. Alors attendez, on va corriger ça en direct. C'est une erreur de ma part. Alper est un verbe transitif. Donc on peut écrire alper et e. Alors, la définition suivante. Kelvin, nom masculin adjectif en physique, c'est l'unité thermodynamique de température. Côté KOTER en Belgique, vivre en cote, étant une chambre d'étudiant, et le participe passé est invariable. Bissexte avec deux S, toujours, c'est un nom masculin, c'est le 29e jour du mois de février, d'où le nom de l'année bissextile. Zumba, gymnastique pratiquée sur de la musique de danse latine. La musique de danse latine. D'accord. De la musique latine, hein. Tous dansent. Azuré, teindre en bleu, traité par azurage, verbe transitif. Koufa, COU2FA ou KOU2FA, c'est un bateau rond naviguant sur le Tigre. Rondade, en sport, c'est une prise d'élan en acrobatie au sol. Kat, KAT, KHAT ou QAT, arbuste d'Arabie dont les feuilles contiennent une substance hallucinogène. Qui se prononce Qi également, énergie vitale dans les pensées chinoises et japonaises. Hooligan, H-O-U-L-I-G-A-N, on peut ajouter un E pour le féminin. On l'écrit également H-2-O-L-I-G-A-N et on peut toujours y ajouter un E pour le féminin. C'est un voyou qui se livre à
violence et au vandalisme, particulièrement dans les stades. Isthme, nom masculin, bande de terre resserrée entre deux mers et réunissant deux terres, notamment l'isthme de Panama. Twin, nom féminin et adjectif, désigne une chambre à deux lits séparés. Era, un chat sauvage de type puma. Wa, O-Y-E, un ancien mot pour désigner loi avec un i. Garder, participe passé invariable, signifie lésiner. Et col, je vous l'ai mis pour coel, pour la graphie coel qu'on a vu tout à l'heure en sous-top. C'est également coel, K-O-H-O-L. C'est un phare noirâtre d'Orient. Voilà, on en a terminé avec les définitions. Maintenant, on va passer aux potentialités des tirages. Pour cela, je change d'affichage. Et donc, le premier tirage était sympa. On a évidemment eu survécu qui scrablait et on appuie sur les Q avec un E. Cuivreux, couvreur, couvrure. Survécu S et T. Allez, on va regarder les 9 lettres par curiosité. On va peut-être avoir des surprises. À couvreur, couleuvre, vertu chou. <C'est>... J'adore ce mot. Cuivrique. Et c'est tout. Après, c'est des pluriels ou des. D'autres flexions de ce qu'on a déjà vu en 8 lettres. Alors, le tirage suivant, là, il y a beaucoup trop de possibilités, donc je zappe. Ici, c'est pareil. Là, n'en parlons pas. Alors, ici, Vanam et Envenima. Donc, Vanam, ça passait, Envenima, ça passait pas. Est-ce qu'il y avait en 9 lettres Vincamine, Mévanda, Avènement, Naïvement, Navrement, Vénement. Je vous passe les conjugaisons, notamment de envenimé. Ok, alors le suivant. Alors j'insiste sur ceux qu'on n'a pas vus. Hein. Cytokine, technique. Oh là là. Bon, il aurait fallu un deuxième cas. Mais... non, pardon, on a le joker. Débile ce que je dis. Il aurait fallu un appui T ou un appui joker K. Voilà. Le reste, on les a vus. Et en 9 lettres, Ankariote, Coquefiant, Kaolinite, Tocarien, Steinbock, Interloc, Tectonique s'écrit aussi comme ça, T-E-C-K, Coétien. Bon, il y a Coquefi, Coquefiant, là. Kilotone. Oncotique. C'est beau tout ça. Alors, lesquels n'avions-nous pas vu? Bauxite, uniquement, anagramme de bestiaux extubés qui ne passait pas. Et en 9 lettres, outre les conjugaisons, bisextile, ça s'écrit comme ça. Ah, moi, je l'aurais toujours écrit avec un E. Oh la vache! Ah, moi, je l'écrivais avec un E systématiquement. Bon, certes, il n'y a que les années qui sont bisextiles, donc forcément, allez, un an bisextile. Mais... Ah, moi, je l'aurais écrit toujours avec un E. Jamais je l'aurais écrit comme ça. Eh bien, vous voyez, même moi, j'en apprends. Alors, obstineux, anagramme de extubion. Et c'est tout. Le tirage d'après, rien en 7, rien en 8. Et en 9, faucarder. Faucarder son sang-froid, par exemple. Non? Ah non, c'est pas ça. Alors, le tirage suivant.
Rien 7, rien 8. Là, les 2 F et les 2 D, ça va pas trop bien ensemble. Rien 9 non plus. Alors après, alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Bon, on a à peu près tout vu. Hein. Redonda, on n'avait pas vu. Android. Eldorado. Et après, on avait plus ou moins vu. Puis il y a beaucoup de conjugaisons. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et en 9. Otalgique et glottique. Eh bien, j'ai pas vu ça. Otalgique et glottique. Magnifique. Enchanté. Goulash. C'était l'autre possibilité avec le tirage en 8 lettres. Et en 9 lettres, Shogunal. Greluchon, Guilloche, Éthologue, Réologue. Googleops. Terrible, hein, ce jeu. Homologue. C'est beau. Allez, ici, Mignotte et Tomise, Cheminot, Chromite, Micheton, Trichome, Ethmoïde, Tomisme. Ça, on les a vus. Smoothie, Triomphe. C'est magnifique, Smoothie. Et Thomiste. Ok. Bon, 9 lettres, il va y avoir pas mal de trucs là. Hématobie. Hiémation. Machicote. Matiole avec 2 T. Minaouet. Myopathie. Oh, il y en a trop là. Ophtalmie. Biorhythme. C'est beau. J'adore les 9 lettres. Thermidor, Rictidome, Lithodome, Dichotome, Dichotome. Bon. Il y en a trop. Rhizotome. Allez, alors, tirage suivant. Waterzoï sur un A ou un Z et en 9 lettres. Eh ben, Waterzoï avec 2 OI, Waterzoï OEI. Voilà. Rewriton. C'est tout. Alors, Genet et ES, c'est. D'accord, on peut. Genet, c'est devenu transitif, ça? Ah oui, un jour Genet. C'est un jour de jeûne. De jeûne. Ok. Eh bien, je ne le jouais pas, et eux, moi. Je ne sais pas quand est-ce que c'est rentré, ça, comme ça. Je sais plus. Je confonds avec déjeuner, peut-être. Déjeuner. Voilà, le participe passé est invariable, on est d'accord. Allez, donc, des jeunes, des joués, des jugés, méjugés, rejugés, jerqueuses, jumelées. Enjouée, jeunesse, jeuneuse. Surjetée. Et c'est pas mal. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Corroyée sur un C, c'est beau. Magnifique, apprêter du cuir, corroyer, c'est un verbe. Pour rajouter un e d'ailleurs, une corroyère. C'est l'autre nom du sumac. Allez, et puis on arrive à la fin là. Aéroport sur un. Pour le tirage du dernier coup, il y avait aéroport poireauté ProTour et en 9 lettres. Aéroporté. Bon, beaucoup de conjugaisons. Colporté, comporté. Oroptère. Protomère. Portefort. Overport.
Bon. Et ben voilà, c'est terminé. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que la partie vous a plu, que vous n'avez pas trop morflé avec le hooligan là. Ça fait mal, ça. Bestiaux aussi, ça peut faire mal. Hein. Isme, bon, à côté, Koufa, ouais, Zumba, Kelvin. Oui, il y a quand même pas mal de coups difficiles, hein, je trouve. Voilà, bah écoutez, vous dites hein, en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi en parler autour de vous pour faire venir de nouveaux camarades pour ce club en ligne. Hein. C'est un peu ça. Hein. Duplicate Club, c'est un club en ligne. Bien sûr, ça ne remplace pas les vrais échanges dans les vrais clubs, les vrais tournois, etc. Mais ça permet de s'entraîner. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette partie et d'avoir suivi ce décodage. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.